Ça fait environ la 30e saison que je passe au niveau de la sécurité sur le domaine des Portes du Soleil au Creuset. Chef de piste ou aussi artificier, nous on appelle ça plutôt du minage. Il faut bien imaginer que dès qu'il y a des chutes de neige, les pistes, on doit les sécuriser. Et le plus gros danger au niveau du ski, c'est clair, c'est les avalanches. Sinon, on est vraiment là sur la frontière. Voilà, alors on a plusieurs sortes de minage. Vous avez parlé du Gazex, vous avez peut-être vu des fois sur le domaine skiable des gros tubes qui sortent un peu de la montagne. Ça, c'est un minage qui se fait par ordinateur. Par contre, tout le reste se fait à main. On prend des charges de dynamite, c'est ce qui est le plus simple. C'est une charge exprès pour les avalanches. On a des coffres à munitions qui se trouvent placés au sommet des montagnes. Et après, on se déplace sur les arêtes. Et en fonction de la neige qui est tombée pendant la nuit ou le vent, c'est à nous à décider un petit peu où c'est qu'on met les charges. Bien sûr, on a nos points un peu stratégiques et on fait notre minage coup après coup, toujours avec deux personnes si c'est possible pour la sécurité. L'esprit d'équipe est très important puisque si on a un problème, c'est notre voisin qui va nous sauver, c'est personne d'autre. Voilà, ce matin, le lever du soleil, c'était parfait, quoi. Voilà, ça, c'est pas souvent. En règle générale, il y a du vent, ça neige, on ne voit pas plus que 10 mètres devant nous. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des gens qui connaissent en plus le terrain l'été, puisqu'il y a des avancements de corniche. C'est vrai que, bon, il faut déjà, au départ, être un bon skieur. Il faut avoir de l'expérience, pas pour faire le travail, mais surtout pour pouvoir se déplacer tout en sécurité sur le terrain. Les installations sont prévues d'ouvrir à 9h. On ne peut pas dire qu'on mine et puis dès qu'on a fini le minage, on ouvre. Après, il faut l'évacuer cette neige. Et ça, c'est, vous avez peut-être vu les engins de damage. Et c'est pour ça qu'on monte assez vite le matin pour qu'eux ils aient eu le temps de préparer la piste avant d'ouvrir. Mais il est clair qu'il faut bien penser qu'il y a des couloirs qui se trouvent juste à côté du domaine skiable, qui n'est pas forcément miné. Et ça, ça peut être intéressant pour les skieurs qui font un peu du hors-piste. C'est clair qu'on en fait quelques-uns pour limiter un petit peu les accidents, mais c'est ça qui est un petit problème de temps en temps, c'est que les gens pensent que le minage c'est toute la station qui est minée, et pas forcément, c'est seulement pour les pistes. Puis ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas seulement le déclenchement d'avalanche, on s'occupe bien sûr de la sécurité, c'est presque un deuxième travail. Il y a tout le balisage à côté, c'est nous qu'on prépare les pistes, on met des filets où on pense que c'est dangereux. Puis ensuite, c'est nous qu'on récupère tout ce qui est blessé, tout ce qui est justement bobologie, mais c'est pas que de la bobologie, on a des accidents relativement graves des fois. Mais avec l'expérience, c'est pas un plaisir, mais on a un peu dans le sang d'être sauveteur. Oui. On a un métier le plus beau du monde.